Hello et bon retour sur la chaîne de Hypnose Gaming. On se retrouve en ce lundi soir pour la suite de Planet Zoo avec le prochain épisode du mode carrière où on était resté au début de la mission 4. Donc je viens de remettre play. Donc on avait créé ici l'enclos de nos amis les tortues. Alors j'en ai juste racheté une nouvelle qui va arriver de ce pas là. Qui arrive de suite afin de remplir un peu plus l'enclos. Dans cette mission 4 qui nous demande pour une fois de ne pas utiliser un zoo déjà construit mais de devoir construire notre propre zoo de nous-mêmes. Donc on part de rien et à part quelques habitations qu'il y avait là au début. Du coup je vais juste mettre pause pour éviter que je sois en mode galère parce qu'ici il faut tout gérer. Hein. Donc faut gérer la thune, faut gérer la bouffe, faut gérer la totale. C'est pas comme dans le zoo des 5 pics où on est en mode bac à sable avec tout en illimité. Donc juste avant de partir sur l'épisode du jour, n'oubliez pas de me follow sur Twitter pour avoir la dernière news de ce qui sort, de me soutenir sur Utip, ça vous prend 30 petites secondes, vous matez une petite vidéo, hop, et vous soutenez la chaîne, ça vous coûte absolument rien. Si vous n'avez pas encore Planet Zoo et que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à passer par le lien Instant Gaming qui est sur la page YouTube de la chaîne. Ça soutient la chaîne aussi et vous avez des jeux à très très bon prix, donc n'hésitez pas à passer par le lien Instant Gaming. Et je vous invite aussi à aller regarder la chaîne de l'ITV, notre nouvelle partenaire youtubeuse qui fait aussi du Planet Zoo et qui fait d'autres jeux un peu plus stressants, genre The Isle ou Day of Dragon qui vient de sortir en version Early Access. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur sa chaîne, faites-lui un petit coucou de ma part, elle sera bien contente. Voilà, donc les petites us et coutumes du début des missions sont faites, on va directement se lancer dans le planning du jour. Donc vous voyez que j'ai un poil agrandi la place par rapport à la dernière fois. Si on regarde nos objectifs, mission bronze, avoir au moins 3 espèces dans l'habitat, et avoir au moins 175 visiteurs qui sont dans notre zoo. On en est à 91, donc on a encore un petit bout de chemin à faire. Ici, alors aujourd'hui on va faire, ici je vais rajouter des shops pour que nos visiteurs puissent dépenser, parce que là de rien, il faut que, le zoo tourne, on doit faire un peu de pognon. Donc on va directement en fait construire différents shops. Alors le problème il est que je suis encore, je vais laisser play parce que je suis en train de faire les recherches. Et parce que on a rien, c'est pas comme un bac à sable, on n'a pas tout. On est obligé de les chercher au fur et à mesure les trucs. Donc pour l'instant, malheureusement, je vais me contenter de faire les designs avec ce qu'on a de déjà existant. Donc là, on va faire un petit espace, comme ça je peux mettre un pot de fleurs après. Tac. Chief Beef. Hop, et notre petit stand boisson qu'on va essayer de mettre. On n'arrive pas à le mettre dans le même. Non, parce qu'ils sont déjà construits. Donc là, on va faire pareil entre deux. On va essayer de mettre un petit déco. Tac. Voilà. Et vu que les gens, c'est des porcs, il va falloir directement mettre des poubelles de recyclage un peu partout, n'est-ce pas, parce qu'on connaît la populace, ça a tendance à pas être trop propre. On va mettre un par là. Tac. Là on va s'occuper, alors j'ai rien d'autre au niveau des bancs hein, pour l'instant, donc ici je mettrai peut-être encore un, ou ici on mettra là. Donc là on va rester sur des tables qui serait dispo un peu comme ça, là, tac. Là, on va la tourner dans l'autre sens. Là, on a un gros nuage qui débarque. Tant qu'il flotte pas, moi ça me va. Voilà, donc là, on a nos quelques petites places. Hop, on va rajouter un petit banc ici, comme ça. Les gens peuvent se reposer. Pareil, un petit banc là. Hop, une petite poubelle entre deux. Ici, je serais tenté de faire comme sur les zones de pique-nique. De temps en temps, mettre une petite poubelle. Ça évitera que les gens soient tout dégueu. Voilà, donc les gens peuvent acheter à boire et à manger. Donc ça, c'est une première chose. On a
pas de bâtiment de sécurité, je crois, dans nos... Donc ça, il va falloir penser que j'en mettre un. Bon, c'est pas une urgence, mais faudra en mettre un. Ah, tiens, quelque chose qui est fini là, ou qui a un problème. Ah, recherche terminée. Ça, c'est très très bon. Alors, continuons à faire nos petites recherches sur les tortues. Est-ce qu'il y a mes petites tortues? Je pense pas qu'elles sont... Ah, elles sont pas super contentes. Donc, on va vite voir si on peut pas leur rajouter un petit truc. Une petite optimisation. Optimisation espèce tortue des Seychelles. Viens par là. Paf. Ah yes, elles ont découvert ça. Hop. Et juste par là, on va leur mettre... Voilà. Ok. Donc nos tortues sont assez contentes. Alors option alimentaire, on n'en a que un. On va laisser ça... Pour l'instant, ce sera déjà mieux que rien. Qu'est-ce qu'on me dit là? Pas de salle du personnel. Mais il y en a une de salle du personnel, non? C'est juste qu'elle est pleine ou bien? Pause. Et ça, c'est la pause café, c'est ici. Salle du personnel. Bah, il y en a une, c'est juste qu'il n'y a pas de place. Donc, t'attendras ton tour. Voilà. Déjà, ça se plaint, quoi. J'y crois pas. À peine les mecs qui commencent à bosser et ça y est, tu sais. Ok, donc là ils peuvent mater nos trois tortues, c'est cool. On a nos petits panneaux d'information. Ok, donc là on est bien. On a notre petite zone de bouffe où les gens peuvent se poser, manger, boire un petit truc. Donc maintenant on va commencer direct le deuxième enclos. Alors là par contre ça va pas être la même. On va faire quelque chose. Tadam! Alors on va le créer avec... Avec les briques, parce que évidemment, les briques, vous pouvez tout créer, vous pouvez tout faire. Donc c'est assez pratique. On va essayer de le faire un peu plus court ou plus long. 12, c'est trop. 10 mètres. Arf. Bon, tu pars de là, ce sera beaucoup plus facile dans ce sens là. Là, bon, je les mets comme ça parce que je sais exactement ce que je vais faire ici. Je vous cache encore la surprise de qu'est-ce qu'on fera comme, comme habitat. Qu'il est quand même grand, hein. Je pense que je le fais beaucoup trop grand par rapport à ce que j'ai besoin. Ah, puis là il me le fait carrément en sous-sol, le con. C'est pas ce que je t'ai demandé, toi. Voilà. Donc là maintenant on va le transformer en enclos en bois. Hop. Tac. Et je vous donne un petit indice sur ce qu'il y aura là-dedans. Non, c'est l'autre côté. Hop. Voilà. Anti-escalade. Donc je pense qu'on va monter. Je crois qu'on n'a pas besoin de les monter plus haut que ce qu'il est là.
Peut-être juste ici, à mon avis, peut-être qu'il va falloir le retravailler. Comme ça. Je pense pas qu'il faut monter plus pour ce qu'on va mettre là-dedans. Je vais me rester. Et là, du coup, hop, une entrée visiteur. Oh merde, je suis trop proche. Ah, damnation. Alors, on dégage juste ces deux morceaux. On va poster l'entrée visiteur. Ah, donc on peut pas tout de suite. Donc, on refait la petite chose. Alors, est-ce que si... t'es où toi? Ah, avec le bois, je peux pas faire des courbes. Donc c'est un peu chier. Tac. Voilà. Et du coup, comme ça... Là, on aura la place... Tu dégages. On fera comme ça. Maintenant, par contre, vous, jusqu'ici, on doit remettre ceci. C'est bien du bon côté, n'est-ce pas? Et maintenant, j'arriverai jamais à m'y faire à cette gauche-droite. C'est un truc de ouf. Non. Juste faire ça, toi. Tac, donc ce sera l'autre côté. On est d'accord. Hop. Et donc, on refait la chose. Donc ce coup-ci, on va faire ici notre entrée visiteur. On va rester comme ça. Et ici, notre sortie visiteur. Hop. Et voilà. Donc là, on va faire une belle entrée. Ah, je pense qu'on a peut-être fini une recherche. Yes. Allez, continue d'améliorer nos petites tortues. Ça y est, il se met à royer la mort. Est-ce que par hasard, on aurait découvert une nouvelle optimisation de nourriture? Non. Rien de plus pour nos tortues à l'heure actuelle. Bon, les tortues, de toute façon, elles s'en foutent un petit peu d'avoir... qu'est-ce qui lui arrive? L'animal ne bénéficie pas de quoi? Il bénéficie pas de quoi? D'un habitat? Il n'y a pas d'habitat. Puis ça, c'est quoi? T'arrives pas à y aller là-bas dedans? Bien-être 14, habitat, température, trop froid. Pause. Ils sont gentils, on a fait un super habitat et tout. La dernière fois, on a regardé, il y avait la place. Habitat. Zone traversable. Voilà, donc là, tu peux aller dessous. On est d'accord, n'est-ce pas? Tu peux aller dessous et là, c'est considéré comme un abri, tout ça. Est-ce que si je shoote le pilier... Ça lui fera plaisir. Voilà. Zone traversable. C'est encore un peu mieux là. Si je te remets play. Voilà. Là tu peux aller dans ton abri maintenant. Tu te bouges tes petites miches de tortue. Et tu vas là-bas. Que température 0, l'animal a trop froid, mais je vais pas lui mettre des... On va lui mettre des chauffages, quoi. Genre... Chauffage.
Bah écoutez, on va lui mettre un chauffage. Trois chauffages, même si je trouve que c'est un peu abusé. Encore en mettre un ici, peut-être. Recherche mécanique terminée, ça c'est cool parce que c'est des un élément pour thème. Ouais, le problème, ce qui est chiant, c'est qu'ils vous disent pas lequel c'est quoi. Donc, quand t'as un nouveau élément, mais tu sais pas quoi, donc c'est un peu pénible. Bon, on va le laisser continuer à rechercher. À rechercher les thèmes du nouveau monde. Non. Comment ma tortue elle kiffe la température là, c'est bon? Voilà. Donc tu kiffes la température maintenant. Il va faire genre 1000 degrés ici. C'est même trop pour nous. Attends, on va peut-être juste régler la portée en fait. Voilà. Pareil pour là, on va juste réduire un petit peu quand même. La portée. Non, parce qu'il n'y a pas besoin d'irradier tout le zoo, quoi, non plus. Tac, ça c'est des trucs que j'ai encore pas tellement utilisés, hein, donc. Je suis plus en mode découverte de la gestion de ces trucs-là. Hop. Ouais, peut-être un peu plus. Voilà. Allez. Ok, donc il fait de nouveau beau. Nos tortues sont toutes contentes. Elles sont plus séchées, elles ont un abri, elles vont pas dedans. En même temps, elles se déplacent à deux à l'heure, elles ont un parc gigantesque pour elles. C'est pas trop. Genre, elles vont se foutre dessus les tortues, hein. En même temps, ça risque pas de se battre trop vite une tortue. J'avais encore jamais vu ça. Les tortues se tapent dessus, quoi. Allez, je te pousse, tu me pousses, tac tac. Excellent. Bon. Du coup, ça c'est quoi? C'est deux mâles, je pense, qui se foutent dessus. Bah ouais, bah pour l'instant, il n'y en a pas d'autres, donc ma foi. Est-ce que j'en ai une qui traînerait de femelle, là? Tortue géante des Seychelles. Allez, viens là. Encore en mettre une deuxième. Voilà. On aura plus d'animaux. Les gens seront tout contents. Alors du coup, ici, je vais enfin vous dire lesquels je veux mettre là. Tadam, regardez un petit peu. Tac. Et voilà, on va mettre plein de macaques japonais. On en a des tonnes. J'en ai déjà pris 13 qu'on va rajouter là-dedans. Donc on va commencer par se faire tout de suite le petit chemin à l'intérieur. Donc là on va prendre un petit chemin en gravier. Mmh.
Je pense qu'on doit pouvoir passer. Toi, t'es bien trop large. On va pas avoir 500 personnes là-dedans, hein, donc. Donc l'idée, c'est de faire un peu le tour. Ici, je vais mettre un petit, même s'ils en ont pas spécialement besoin, peut-être mettre un petit étang ou quelque chose. Là, on va aller un peu vers le fond, là-bas. Ah, évidemment, on peut pas, parce que ce système de chemin est toujours aussi merdique. Ah, ça y est, maintenant il neige, quoi. Voilà le chemin qu'on aura pour nos petits macaques. Ah, Dieu, j'y crois pas, il neige la mort, quoi. Par contre, du coup, j'ai fait un chemin sans barrière. Et ça, c'est assez moche. Ouais, alors vous venez déjà dedans, il n'y a encore pas un animal. Pause. Vous allez dire que c'est à chier, sinon, j'y crois pas. Les mecs, ils viennent dedans, il n'y a même pas encore un animal, quoi. Allez avec rambarde. Est-ce qu'on va mettre des allées avec rambarde? Parce que j'ai pas envie de me les... pas envie de me les dessiner moi-même ce coup-ci, hein, on est en mode carrière, on va essayer de faire quand même au plus simple. On va bien designer un peu le zoo, mais je vais pas aller dans le gros détail comme sur la version bac à sable où on fait tout nous-mêmes. Alors, je vais juste lister certains endroits où il n'y aurait pas de rambarde. Histoire qu'ils peuvent traverser. Voilà. Comme ça, nos animaux peuvent faire la balade comme il faut. Hop. Voilà, donc là on va aller faire terrain, on va aller creuser juste un petit... Ah, puis je peux pas creuser dans ce scénario, putain. Bon, alors du coup, il n'y aura pas de lac par là. Du coup, comment je fais pour construire des... Da, 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 da. Alors celui-là, pour le coup, il est assez gigantesque. Qu'est-ce qui obstrue? Zut, ça aurait été génial d'avoir un truc gigantesque comme ça. Bon, c'est peut-être un peu trop grand. On va aller au plus sage. Donc on va leur faire une petite cabane là. Ça, c'est pour s'abriter. On va pas se fouler. Après, on va construire à la mano différents spots pour... Hop. Ah, par contre, maintenant que j'ai le truc, il va peut-être falloir que je livre mes macaques, histoire de savoir un peu ce qu'ils veulent. Alors, attendez, est-ce qu'on peut pas tout sélectionner? Il n'y a que des macaques. Yes, envoyé. Tac. Quoi, destination non valide? Pourquoi destination non valide?
Ah, c'est l'horreur, il y a plein de problèmes dans mon zoo. Ouais. Échange des animaux, toi, envoyé dans le zoo, ici. Destination non valide. Pourquoi est-ce que la destination est non valide? Parce que quand j'ai regardé avant de faire la construction, macaque japonais, les visiteurs peuvent-ils entrer dans l'habitat? Oui. Donc théoriquement, il ne devrait pas y avoir de problème. Pour quelle raison est-ce que je pourrais pas les mettre dedans? Pour quelle raison je pourrais pas mettre mes singes là-dedans? Aucune idée. Est-ce qu'il faut que je les mette d'abord tous en quarantaine, peut-être? Sélectionner. Peut-être qu'il devait d'abord passer par la quarantaine. On va laisser faire ça. Ok, et puis eux ici, ils sont en train de galérer la main, on dit, hein, les tortues. J'ai 4 tortues, qu'est-ce qui leur arrive? Bien-être faible. Bah ouais, la neige c'est inadapté. En même temps, t'as une putain de caverne là et t'as des radiateurs qui te tiennent chaud, donc arrête de rester dans la neige quoi. Putain, alors une tortue c'est pas ce qu'il y a de plus intelligent, je vous jure. Puis le ratio mâle-femelle est pas bon. Donc ça veut dire que j'ai. Aïe aïe aïe. Eh ben, c'était plus facile en mode softbox, hein, je vous le dis. Trois femelles, deux mâles. Ok, donc il me faut un mâle de plus. Une tortue. On va dire qu'il n'en reste qu'une de dispo et puis que c'est une femelle. Il me faut une tortue mâle. C'est un peu la merde. On est un peu en mode vogue la galère. Bon, bah, j'essaierai plus tard de choper la dernière tortue qui me manque. Zone de quarantaine pleine. Ah ouais, il y en a qui sont malades et tout, quoi. Vétérinaire appelé et tout. Donc toi t'es. Ça c'est quoi ça? Quarantaine terminée. Donc toi, 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 et toi. Je peux vous envoyer. Pourquoi est-ce que je peux pas aller. Ici ça joue, ici ça joue pas. Ah! Quel con! Putain! Abruti quoi. Je peux encore m'exciter longtemps, j'ai pas fait d'entrée pour les. J'ai fait d'entrée pour les visiteurs, j'ai pas fait d'entrée d'habitat pour. Voilà. Ça va aller tout de suite mieux, vous allez voir. Ah, j'y crois pas, le blaireau quoi. Alors, on retourne dans notre zone quarantaine, quarantaine. C'est pas ça que je veux. Allô? Tac.
Alors, deuxième essai. On va éviter de te poser, hein. Tu as une fièvre hémorragique. Déplacé. Ah bah voilà, c'est beaucoup mieux. Hop. T'inquiète pas, on va la vider la zone. Voilà, il neige plus, les tortues vont pouvoir se réchauffer. Du coup, maintenant, si on regarde, elles sont plus ou moins contentes. On va quand même leur foutre encore un deuxième petit abri à la con parce que sinon, elles sont pas contentes. Voilà, tenez votre abri moche. On va engager un nouveau soigneur, tac, qui lui va être attribué à nouvelle zone de travail. Tu t'occuperas uniquement de eux. Japonais. Tac. Et du coup, toi, macaque japonais. Voilà. Donc normalement, vous pouvez pas vous barrer. Sauf ici, pause, comment ça se fait que la barrière de ce côté-là c'est pas vrai, c'est genre chaque fois que vous faites un truc. Ça rechange de champ de sens tout seul quoi. C'est bon là? Ok. Donc là, on est bon. Alors maintenant, on va voir si on en a d'autres qui sont dans notre aucun on n'attend aucun. Est-ce que je peux voir ceux qui sont en quarantaine là? Non. On est obligé d'aller sur le bâtiment de la quarantaine. Hop, je pense qu'il y en a d'autres qui doivent être prêts. Comment est-ce que je vois ça? Ouais, bêtement. J'utilise tellement pas la quarantaine avec le mode bac à sable. Donc toi t'es malade, toi t'es malade. Ils ont plein de virus, machin. Pas de salle du personnel accessible, vous me saoulez. Ok, maintenant moi j'en veux un. Voilà, pause. Il faut qu'on s'occupe de leur enclos parce que là il y a un peu tout qui va pas du tout, du tout, du tout. Alors l'abri, ils ont ce qu'il faut, tant mieux. Terrain, de la daube, il faut que je fasse. Voilà, j'ai trop d'herbes courtes, j'ai trop d'herbes longues, il me faut plus de terre. Donc on va tout de suite.
travailler un peu là-dessus. Là au milieu, on va mettre que de la terre. Hop, il leur faut de la neige. Ah, salut quoi. Bon, là on va leur mettre de la terre. Voilà. Terre, on est bien. On a encore trop d'herbes longues. Bon. Il faut que je leur foute de la neige. Donc, qui dit foutre de la neige dit mettre des refroidisseurs. Parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Donc, ici, on va leur mettre de la neige là-haut. Et ici, de côté. Voilà. Alors maintenant, il va falloir qu'on il va falloir qu'on règle leur température. On va mettre ça, ouais, à 0. Mais la portée doit être bien plus petite. Est-ce que je vois ma portée qui est réduite là un peu? Ok, donc là on est pas mal sur celui d'en bas. Maintenant on va faire pareil sur celui-là. Mettre à 7. Ça, on va peut-être pouvoir le déplacer un peu plus ici et du coup mettre sur 6. Voilà, comme ça on aura tout le coin du haut. On va pouvoir leur mettre de la neige. Hop, alors on va essayer d'améliorer tout ça. Tac, donc là alors même si ça fait pas ce qu'être plus réaliste d'avoir de la neige tout d'un coup là, hop, par terre. Quoi, je trouve. C'est un peu dommage. Bon, on est dans un climat montagneux là, ça peut. Alors, avant il a neigé aussi, donc ça peut faire que ça le fasse. Là au niveau des trucs. Oh, on a juste pas assez de neige. Quarantaine terminée, hop hop hop. Là il y a quoi, il y a des gens, ok. Alors, attends, hop, bon on a largement assez de visiteurs du coup, hein. On a explosé le score. Par contre, j'ai toujours juste pas assez de neige quoi, shit. Shit. Ouais, du coup je vais pouvoir leur remettre encore un petit ventilo juste là au milieu. Et du coup là on va vraiment le faire tout petit. Là on va le mettre 2 et moins 2, 3.
juste. Et on a plein de manifestants qui viennent dire bonjour parce que nos animaux sont pas contents. Ah, trop contents, trop bien. Non, on vogue la galère en fait. Mais si vous me laissez pas le temps de les construire, on va arrêter tout de suite le temps là. Hop. Nos tortues, elles se prêtent comment là? Est-ce que je peux vous mettre de la meilleure bouffe par hasard? Population adulte, il y a trop de monde. Bon, bah, s'il y a trop de monde, dès qu'il y en a un qui claque, je le remplacerai pas. Occupation, ça c'est bon. On n'arrive pas à avoir la nourriture là, quelque part. C'était où ça? Je crois que c'est. Ah, je crois que c'est sur l'enclos. Rapport, une alerte. Qualité de la nourriture. Ah, yes. Tac, je vais déjà leur mettre la qualité de nourriture niveau 3. Sinon le reste. On a une menu. Oh, j'adore, il y a des messages en anglais, trop bien. Ok, écoutez, là on a l'air d'être pas mal. Nos tortues auront de la bonne bouffe. Donc ça, au niveau des tortues, on devrait être bon. Maintenant, nos meilleurs amis, les macaques. On va regarder ceux qui sont encore en quarantaine, mais qui sont bons à être amenés. Toi, t'as une fièvre, toi, t'es... Hop, quarantaine terminée. Quarantaine terminée. Et quarantaine terminée. Voilà, maintenant il va falloir s'occuper un peu de décorer cet habitat parce que là c'est un peu la zone. Alors, social. Ouais, social, vous allez en avoir du monde, t'inquiète pas. Ça c'est bon. Est-ce que. Du coup, on va changer nos recherches des maladies actives. Ouais, bah toi. T'arrêtes de chercher nos tortues et puis toi tu cherches ça histoire de pouvoir soigner nos singes et puis après on fera la recherche ici. Hop. Bon, du coup on a largement assez de place pour tout le monde. Hop, 6 animaux, 3 mâles, 3 femelles. Ok, ok. Bon, ça on s'en fout un peu. Donc là, maintenant, au niveau du terrain, on est presque bon. Il manque un peu de neige. Chier. Toi, on va t'agrandir d'un poil alors. Voilà, neige, on est bon là ce coup-ci. 19. Putain. Toujours pas. Donc toi, on va passer 7. Non. 6. Tac. Yes. Ok. On est bon au niveau du terrain. Donc ça, c'est une bonne chose de fait. Juste voir les hangars, on a déjà achieve ça, donc il nous faut encore une espèce de plus dans le zoo pour finir la médaille de bronze. Et après on s'attaquera à la médaille d'argent, donc c'est clair, alors ça prend quand même beaucoup plus de temps que
avant. Donc là, il faut qu'on mette des trucs de grimpette. Est-ce qu'on a des plans pour des trucs de grimpette pour pas s'emmerder à... ça va être quoi? Ça va être ici, ça va être ici. Voilà. Toi, t'es gigantesquement trop grand. C'est celui qu'on avait avant, hein, ouais. Ok, donc. Tac. Ouh là, je crois qu'il a mal été mis, celui-là. Truc, il est sur le grillage. Alors, la poutre de 6 mètres. Tac, hop. Allez, donc toi, tu viens. Hop. On va directos t'utiliser comme ça. Alors, est-ce qu'on est dessus? Non. Paf. Là, on est pas mal. Et ici, pas assez loin. Ok. Donc maintenant, juste le faire descendre. Ok. Donc là, on est bon. Et là, on va profiter de prendre ça. On se le copie là, et du coup, j'ai envie de le mettre. Non, c'était dans l'autre sens. Tac. Ça, là on peut le faire descendre jusque là. Là on va le faire glisser un peu comme ça. Tac. Là, comme ça ils ont quelque chose qui leur permet de monter sur le toit de leur cabine. Ça peut être pas mal. Vu qu'on a vu qu'ils pouvaient grimper derrière. Et ici, on va encore cloner celui-là, là, hop, pour le faire descendre. Ah, quoique non, on va prendre un... Yes, on va prendre ça. Tac, hop. Comme ça, hop. Hop là. Ok, comme ça là ils peuvent grimper, tac tac. Maintenant, on va leur faire une petite cabane là au milieu. Allez, hop. Ça va être pas mal. On va leur faire tronc perchoir. Allez, on leur fait un double. Là, on va tester. On va prendre ça. Tac. Comme ça. Et puis... La même chose, un peu plus petit ici en hauteur, comme ça. Et puis on va mettre encore un tout petit en face là. Vous verrez, on va relier tout ça, ça va être funk. Ok, donc là on a nos gros troncs. Donc là, on
laisser comme ça, parce qu'on va du coup on va faire double hauteur. Donc là je vais me remettre par-dessus celui que j'avais déjà mis. Désolé. Hop, pour pas s'emmerder. Voilà, donc là on vérifie qu'on est bien en dessous par terre, nickel. Donc là maintenant on prend la même chose et on remonte un petit bout, histoire qu'on puisse faire un toit. Tac. Voilà, on va faire plus facile. Alors là ça va être le gag par contre. Hop. Quelque chose comme ça. Tac. Ouais, vous voyez comment c'est pour ceux qui n'ont pas encore le jeu. Hein. Si vous voulez vous y mettre. Des fois, c'est un peu du Tetris. Vous faites les choses une par une. Hop. Puis alors après, du coup, une fois que vous avez la main, vous pouvez aller assez vite avec les raccourcis. Et directement... Voilà. Et voilà, donc là on a ça qui est créé. Là on va les poser au-dessus. Une deuxième passerelle sur le haut. On va laisser les bouts qui dépassent, c'est sympa. Tac, donc là elles vont pouvoir se toucher. Ah, donc là elles sont quasiment à la même hauteur, donc là on va pouvoir mettre une passerelle comme ça en mode de travers. Ouais, j'ai pas besoin d'une aussi longue. Tac. Comme ça. Ça leur permet de traverser. Nickel. Pour monter là-haut, on va pouvoir leur mettre... ça ici. Tac. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos petites amies les bêtes? Tac. Voilà. Donc ceux qui seraient intéressés à Planet Zoo, n'hésitez pas à passer par le lien Instant Gaming de la chaîne, ça vous permet d'avoir le jeu à un très bon prix. Et du coup, vous soutenez la chaîne en même temps. Hop, donc là, on va laisser déjà un peu les gens. On va leur rajouter de la bouffe, parce que si nos macaques ne mangent pas, ils vont pas être bien. Tac. Nourriture. Tac, donc là il peut gentiment boire et là on peut leur mettre à manger.
Voilà. Comme ça, là, nos amis les macaques commencent à être contents. Alors, il n'y a encore aucune optimisation. Quoique, si, il y a le ballon. Tac. Et le bloc de glace. Tac. Là, on a fini quoi notre recherche. Donc la maladie. Ah non, on recherche de déco. Donc toi tu continues. Ici on en est à quoi là? Notre maladie elle est en recherche. Elle est où? Notre fièvre. Pas être pressé. En tout cas là ils ont de quoi se balader. Nos petits macaques qui commencent à être contents. Commence à y en avoir assez. On en a 11. Ils ont de quoi manger là-bas. Ils ont l'abri. Ils ont à boire. À boire, on va encore en mettre une deuxième par là-bas. Comme ça. Et nos macaques, ils en ont besoin. Est-ce qu'il y en a qui peuvent sortir éventuellement? Sors de ta zone de quarantaine. Ah bah c'était le dernier. Voilà, le dernier arrive. Le soleil arrive en même temps. On est en janvier. Et on va pas tarder à arriver à la fin de notre épisode d'aujourd'hui. J'aimerais juste encore relier cette passerelle là et puis là on aimerait, là on va pouvoir leur mettre un peu de tac. Hop. Et du coup ici habitat, moi j'aimerais la grimpette là. Non, c'est pas ça que je veux. Est-ce que c'est tic, tic, tic. Comme ça. Et là du coup on va voir si avec ça il arrive à aller dessus. Pas certain que ça passe. On verra s'il y en a qui montent là-haut. Ça fait quand même assez haut avec une seule petite perche pour monter. Voilà, bah là je sais pas s'ils montent sur le toit, là, il y a du monde. Ah ouais, il y en a qui sont sur le toit, nickel. Je les ai encore même pas vus de près une seule fois, ces jolis petits macaques. Ah, ils sont vraiment sympas quoi. Excellent. Oh, on a une tortue qui va faire mimia. Bisous bisous. Un habitat des clôtures habitées. Abîmées, pardon. Bah toi. Normalement. La clôture, c'est tous les 6 mois. Où est-ce que je peux appeler? Hop, le mécano va faire ton boulot. Appeler un mécanicien.
Là, on a fini. Ah non, vous voyez, ça c'est ce qu'il est en train de faire. Tac tac, qu'est-ce qui se passe là? Les animaux se battront, les tortues, mais les tortues. Les tortues. J'ai trois femelles. On va voir si j'en ai pas un mâle qui traîne au marché. Ah yes, il y a un mâle. Adapté, envoyé aux zoos. Tiens, maintenant vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez deux mâles, deux femelles. Ah non, j'ai pris un mâle. Ah non, c'est juste. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais encore plus déséquilibré le truc, quoi. Ok, bah écoutez, là on a fait notre enclos, il est fonctionnel. On a une bonne partie qui a été ajoutée. Le rapport est prêt. Qu'est-ce qu'elle me dit? Ah, moins 500 balles, zéro d'éducation. Ouais, ok. Il y a encore du boulot. Il y a encore un peu de boulot. Alors je vais finir cet enclos là, je pense, hors caméra. Et du coup, pour le prochain épisode, on s'attaquera au dernier enclos qu'il nous faut pour passer la médaille de bronze. Là, au niveau sous, en tout cas, le zoo a l'air d'être rentable. On a assez de monde qui passe. Il va falloir, je pense, bientôt... Ah bah tiens... Vous pensez que le billet est trop bon marché, il n'y a pas de souci que je te l'augmente un petit peu. Tac. Voilà. Ok, bah écoutez, on va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui avec nos macaques japonais. Moi, je vous remercie en tout cas pour votre visionnage pour l'épisode d'aujourd'hui. N'hésitez pas à suivre le mode carrière. Comme vous voyez, c'est un peu plus sportif que prévu et que le mode bac à sable où on fait tranquillement ce qu'on veut. Bon, on travaille beaucoup plus en détail, hein, mais là, on a toute la gestion à faire. En même temps, c'est un peu vraiment le mode franchise, sauf qu'on a des objectifs. Donc c'est assez cool, j'aime bien. Je vais me faire un mode franchise séparé par la suite. Et moi j'en joins tout ça de mon côté que je vous montre pas pour tester 2-3 trucs. Donc du coup, merci de m'avoir suivi sur cet épisode. N'hésitez pas à follow sur Twitter comme d'habitude pour avoir les dernières infos de la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à passer sur Utip pour me soutenir en regardant une petite vidéo qui prend 30 petites secondes de votre temps. C'est vraiment sympa, je vous remercie d'avance. Et sinon, si le jeu vous plaît, passez par Instant Gaming, vous pourrez récupérer le jeu avec un bon marché. Vous avez la version normale ou la version de luxe à choix qui vous donne 3 animaux supplémentaires par rapport à la version standard. Voilà, sinon pour le reste de la semaine, mercredi et vendredi, on se retrouve avec du City Skyline où on va continuer le quartier Echo et le Grand Square avec passablement de détails. Je suis déjà en train de travailler dessus, c'est vraiment long, très long. Mais si on veut faire quelque chose de bien, c'est ce qu'il faut. Et on se retrouvera dimanche prochain pour le nouvel épisode du Zoo des 5 pics avec Planet Zoo et un maximum de détails sur le premier enclos des crocos que nous ferons sur notre bac à sable. Allez, je vous laisse passer un bon début de semaine. J'espère que le lundi n'était pas trop compliqué. Et nous, on se retrouve mercredi pour City Skyline. Allez, à plus. Zipnos, sign out.